Jésus. C'est vrai, il fait chaud. Mais vous savez, bien-aimé, si nous voulons faire quelque chose, même s'il fait chaud, nous pouvons le faire. Je me demande, tous ces monde qui habitent au Sahel, c'est qui, pendant presque toute l'année, endurent la chaleur, mais la chaleur intense. C'est pour cela que nous devons être capables, bien-aimé, à ne pas pleurer. Vous allez pleurer pendant 2 mois. Et après, quand l'hiver va commencer, vous aurez continué encore à pleurer. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. En plus, on a des termes, comme dit le pasteur, ça caille. Là, aujourd'hui, on dit il fait chaud, mais demain, on va dire ça caille. Incroyable, l'homme. L'homme n'est jamais satisfait. Alléluia. Nous devons nous réjouir en Jésus. Qu'il fait chaud, qu'il neige, qu'il pleut. Nous devons nous réjouir en Jésus. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a choisi pour que je puisse être celui qui va vous parler de la part du Seigneur bien-aimé. Alléluia. Je vais attirer ton enfant ici. Mais vous savez, quand nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions retourner, non pas comme nous sommes venus, mais que nous puissions voir un élément, ne serait-ce qu'une parole. Parce que c'est la parole, bien-aimé, qui nous donne la foi et qui augmente notre foi. Alléluia. Sœur Maria, que Dieu te bénisse. Bon, je ne veux pas faire des jaloux, des jalouses. Parce que là, je vois la sœur Angèle qui me regarde. Sœur Angèle, que Dieu te bénisse aussi. Hier, nous avons commencé un message. Nous sommes toujours dans notre grand thème de l'année, l'Église et l'organisation de l'Église. Hier, nous avons commencé un message qu'on a intitulé « La sanctification ». On avait essayé de définir la sanctification. Nous avons dit que la sanctification a 2 volets. Être saint et devenir saint. Ça, c'est Samuel qui l'a dit. Vous allez trouver un autre prédicateur qui peut-être Dieu l'inspire d'une autre manière. Il va aller beaucoup plus loin que Samuel. Ce n'est pas un péché. Mais quand nous parlons de la sanctification, on voit directement les mots saints. Parce que dans la sanctification, il y a saint. Être saint, comme tout à l'heure, je bénis Dieu pour l'introduction de ce matin de l'homme qui nous a conduit dans la modération, qu'il a pris le livre d'Ézéchiel 16. Tu es né d'une famille païenne. Tu es né avec le péché adamique. C'est ça en fait, naître d'une famille païenne. Naître comme un Cananéen. Tu es né directement en étant imbibé dans le sang. Mais ce n'est pas le sang véritable de Jésus. Et les hommes te voyaient, ta famille même t'a vu. Mais ta famille n'a pas pu te purifier. Ils t'ont laissé comme ça grandir. Tu baignais dans ton sang, que Dieu te bénisse. C'est très important. Comme cet homme-là, bien aimé, un jour dans la rue, il a été cogné par les malfrats. Tout le monde passait. Les sacrificateurs même passaient. Parce qu'un sacrificateur ne peut pas purifier quelqu'un. Alléluia. On va dire, non, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu, pourquoi ils passent? Non. C'était juste un enseignement, en fait. Il devrait simplement voir quelqu'un qui peut purifier. Quelqu'un qui peut sanctifier. Lui seul, bien aimé. Et on l'appelait les bons samaritains. Amen, amen. La sanctification, bien aimé, c'est capital. C'est capital. Je dis bien, c'est capital. Amen. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. La sanctification, hier on avait dit, c'est un processus. C'est un processus, bien aimé. Pourquoi c'est un processus? Parce que nous avons des volets de sanctification. La première sanctification, que toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Christ est allé à la croix. Il a donné sa vie. Parce qu'il a vu que le sang de bœuf, le sang de mouton, le sang de vache, tout cela ne sanctifiait pas. Ça couvrait simplement. Et lui, il a pris la décision. Il est allé jusqu'à la croix. Il a versé le sang précieux. Qu'on appelle le sang éternel. Alléluia. Est-ce que nous sommes là?
Donc cela ne dépendait même pas de toi. Cela dépendait de sa propre volonté. Cela dépendait de son amour qu'il a, qu'il avait et qu'il a et qu'il aura toujours envers nous. Donc si tu es chrétien aujourd'hui, si tu es prédicateur, si tu es servante, si tu es serviteur, bien aimé, ce n'est pas, ça ne vient pas de toi. Parce qu'il passait, il a vu que tu as grandi. Il a vu que les seins commençaient à pousser. Mais tu étais encore nu. Il n'a pas voulu te laisser dans la nudité. Comme ces jours-là, il a vu Adam et Ève, ils étaient nus. Il n'a pas voulu les laisser dans la nudité. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Quand les gens te voient souffrir, les hommes de ce monde aimeraient bien que tu souffres encore. Beaucoup, je dis bien. Beaucoup de personnes, quand ils te voient souffrir, leur envie que tu souffres encore plus. Et ça, c'est le monde. Mais Jésus, quand il te voit souffrir, quand il te voit que tu es grande fille, mais que tu es toujours nue, non, 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 non. Il t'amène un pan. Il veut te couvrir. Il est le seul. Alléluia. Parce que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, l'Église, hier je disais l'Église, c'est une institution divine. L'Église n'appartient à personne. Alléluia. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il ne faut jamais parler le mal de l'Église. Alléluia. Parce qu'une personne est morte pour que l'Église naisse. Oh non, dans cette église-là, ça ne va pas. Non, 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 non. C'est le frère Samuel qui ne va pas bien. Alléluia. C'est le pasteur peut-être qui ne se conduit pas bien. Ce n'est pas l'église. Est-ce que nous nous comprenons? Bien-aimés, ne nous attirons pas la malédiction. Quelqu'un est mort pour que l'église soit née. Là où tu es, si tu as cette habitude-là, de dire que non, moi, cette église-là, c'est l'église des sorciers. Non, l'église de Jésus n'a jamais été l'église des sorciers. Amen. À moins que toi-même, tu sois sorcier. Alléluia. Parle mal peut-être de ton frère, parce que ton frère peut faire du mal. C'est vrai, il y a des personnes qui sont dans l'église qui se conduisent très mal. Si tu vois une personne comme ça, va la voir. Ne mélange pas l'église. Pourquoi nous mélangeons l'église? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des soucis. Dès que les choses ne vont pas comme toi tu veux, ah non, cette église-là, ça ne va pas. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est les frères avec qui vous êtes disputé que ça ne va pas. Ce n'est pas l'église. L'église, qu'est-ce que tu as fait? L'église t'a apporté même la vie. L'église t'a apporté la sanctification. L'église t'apporte la bonne santé. Qu'est-ce que l'église a à voir? Qu'est-ce que l'église a à voir? Je me répète, vous allez constater une chose. Hier, je l'ai dit, mais je vais le répéter. L'église, le pasteur Philippe nous a dit, il y a l'église corps de Christ. Il y a l'église assemblée locale. Nous faisons beaucoup plus partie des églises assemblées locales. Nous nous aimons parce que nous fréquentons la même église. Et moi, aujourd'hui, je vais parler à des hommes et des femmes qui ont été lavés, qui ont été sanctifiés. Évitons, et puis essayons de ne plus retourner dans ces choses-là. La chose qui me dépasse dans ma vie, les personnes sont simplement en bon terme quand ils sont dans la même église. Et vous allez remarquer, quand les personnes ne sont plus dans la même église, c'est fini. C'est fini. Depuis même, il ne se parle plus. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi? Si réellement nous sommes église, si réellement nous avons été sanctifiés, c'est pour cela la vie de sanctification, bien-aimés, va te pousser, va me pousser. Même si aujourd'hui, écoutez-moi bien, même si aujourd'hui Samuel n'est plus le pasteur dans cette église, mais Samuel reste ton frère. Amen. Amen. C'est incroyable. C'est incroyable. La sanctification, bien-aimé, nous amène à comprendre que moi et mon frère, nous avons été lavés dans un même pain. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas venir servir Dieu sans pour autant être lavé,
sans pour autant être couvert par lui-même. Non, sinon on va servir Dieu avec des préjugés. On va servir Dieu avec nos désirs. On va servir Dieu avec nos pensées. Non. J'ai dit bien non. Si on veut servir Dieu, bien-aimé, il faut avoir la liberté. Celui qui est en Afrique, celui qui est en Asie, celui qui est en Afghanistan, celui qui est en Turquie, celui qui est, je ne sais pas, en Ukraine, celui qui est, je ne sais pas, en France, où que ce soit. Hier, on a lu une écriture sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 et 2. Je suis en train de faire un récapitulatif. Et là-bas, il y avait un homme, Paul, l'apôtre. Il dit, je suis apôtre, c'est par la grâce de Dieu. Je salue l'église à Corinthe. Et je salue aussi tous ceux qui sont attachés à Dieu. Il est en train de saluer des personnes qui sont purifiées. Il dit, je salue encore des personnes d'autres que je ne connais pas. Mais nous changeons la manière de vivre. La sanctification, c'est le changement de la manière de vivre. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent simplement à la sanctification. Il faut vivre la vie de sanctification. Mais c'est quoi la vie de sanctification? Ah, il n'est pas saint. Non. Être saint, c'est tout un processus. Ça ne commence pas quand tu viens aujourd'hui directement. Yondoboro Karabashika. Non. Tu peux parler en langue, mais sans être saint. Sans vivre la vie de sanctification. Tu peux prêcher ici. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui prêchent, mais ils n'ont pas la vie de sanctification. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que nous voyons servants, que nous voyons pieux, que nous voyons. Mais c'est lui-là, quand on le voit, on dit waouh, lui-là, tous les jours, il parle avec Dieu. Mais quand Dieu regarde, il ne voit pas la vie de sanctification. Et à des hommes pareils, bien aimés, vous allez voir que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y a rien qui marche. Il y a de ces hommes-là, bien aimés, si vous prenez son CV, vous allez voir qu'il a déjà côtoyé 20 000 églises. Il cherche toujours la meilleure église. La meilleure église, c'est la vie de sanctification. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. La meilleure église, c'est la vie de sanctification. Si tu vis la vie de sanctification, quand Dieu te regarde, Dieu voit son église. Alléluia. Je disais alléluia. On avait dit que la sanctification, c'est presque un commandement divin. Hier, on avait lu dans le livre de Lévitique, au chapitre 11, verset 45. On avait lu aussi dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16. C'était ça, homme de Dieu. Et là-bas, Dieu dit quoi? Comme moi, votre Dieu, je suis saint, vous aussi soyez saints. Il ne dit pas, comme moi, votre Dieu, je suis saint, vous soyez, vous restez, essayez d'être. Non, c'est un commandement. Donc la sanctification, c'est tout un commandement. Là où tu es à la maison, si tu es en train de m'écouter, bien-aimé, laissez-moi vous dire, la vie sur la terre n'est qu'une petite partie de notre vie. Tu vas vivre peut-être 50 ans, tu vas vivre peut-être 70 ans, mais laissez-moi te dire, l'homme est éternel. Donc si tu vis 50 ans, il te reste combien à vivre? Une éternité. Là maintenant, tu vas le vivre où? Au ciel. T'es sûr? Alléluia. Non, je suis en train de te faire comprendre. Tu penses peut-être te réjouir ici sur la terre. Non, moi j'ai 40 ans, oui, bonne chose. J'ai 80 ans, oui, bonne chose. Mais est-ce que tu penses à l'éternité qui te reste à vivre? Parce que si tu ne vis pas la sanctification, moi j'ai un verset qui me dit, cherchez. Non, je ne suis pas là. Ça aussi, chercher. Je vais encore plus loin. Rechercher. La paix. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Oh, donc, il y a des personnes qui connaissent la parole ici. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Rechercher la paix avec tous. Donc, je m'arrête déjà là. Ne recherchez pas simplement la paix avec des personnes qui prient avec toi dans une même église. Amen. Parce que c'est ce qu'on cherche chez nous.
Une fois que quelqu'un n'est plus avec nous, non, c'est un démon, c'est un sorcier. Il faut leur envoyer le feu, le feu. Jésus, si vous savez le feu que vous envoyez, ça va vous retourner à vous-même. Vous envoyez le feu à quelqu'un. Vous savez si cet homme-là, c'est lui qui devait être votre pasteur demain. Parce que vous le voyez aujourd'hui, il n'est pas bien marché. Vous pensez que Dieu va le laisser comme ça? Vous voulez le détruire, l'homme que Dieu a créé? Il ne faut plus jamais envoyer le feu chez les gens. Non. Non, 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 n'envoyez plus le feu. À moi la vengeance, à moi la rétribution du méchant. Pourquoi tu te venges? Pourquoi tu dois te venger? Quelqu'un qui vit dans la vie de sanctification, c'est quelqu'un qui regarde sa vie, il dit, je suis là pour le Seigneur. Même si mes ennemis m'insultent, Seigneur, fais en sorte qu'ils ne meurent pas, afin qu'ils puissent voir combien toi tu es grand. Mais alors pourquoi tu envoies le feu à tes ennemis? Ça commence où? Moi d'ailleurs, j'aime bien que mes ennemis soient là. Vous savez bien, mais laissez-moi vous dire une chose. Je ne vais pas parler de ma vie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Bien-aimé, si tu étais à ma place, peut-être tu serais déjà parti. La manière dont je suis combattu, la manière dont j'ai été combattu, vous ne pouvez pas le savoir. Je vous parle comme ça, aujourd'hui je vous ouvre mon cœur. Dans cette ville, quand j'ai accepté Jésus, quand les gens ont vu les ailes monter, bien-aimé, j'ai été et je suis toujours combattu d'une manière où vous ne pouvez pas le savoir. Et le Seigneur me fait grâce de me faire voir même des personnes comme ça, en vision comme ça. Et je les connais aussi. Mais je dis, Seigneur, que celle-là ne meure pas. Qu'un jour, ils puissent voir combien toi tu es grand. Et j'ai vu des personnes une fois venir me voir et dire, frère, c'est vrai que tu pries vraiment. Ah bon? Comment ça tu me dis je prie vraiment? Dis non, non, frère, toi, tu pries vraiment. Quand j'ai rentré, je me dis, waouh, Seigneur! Il a compris. Amen. Bien aimé, c'est important ce que je suis en train de te dire. C'est important. Tu cherches peut-être des choses qui vont te donner le succès, qui vont te donner la vie. Tout à l'heure, je bénis Dieu. Je n'ai pas de voiture, mais mon nom est écrit là-haut. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de maison. Mais si mon nom est écrit là-haut, il est où mon problème? Les jours où je vais mourir, est-ce qu'on va me mettre, on va prendre toutes mes maisons, ils vont me... Attends. Même pas. 1 mètre, moi je mesure 1m71. Ils vont essayer de faire un cercueil de 1m73 pour que j'ai un peu d'espace. Et pourtant j'ai un salon de 80 mètres carrés. Je suis en train de parler, alléluia. Je suis venu réveiller la conscience d'une personne. Je suis venu te parler pour que tu puisses maintenant commencer à vivre la vie de sanctification. La vie de sanctification. Jésus est allé à la croix pour te donner, pour te ramener à être libre. De la vaine manière dont nos parents nous ont éduqués, nous ont communiqués. Parce qu'il y a une vaine manière dont nos parents nous ont communiqué. Ils nous ont laissé baigner dans le sang. Ils ne nous ont pas lavé parce qu'ils n'ont même pas la capacité de nous laver. Ils ne nous ont même pas coupé les cordons. Ce n'est pas, je ne parle pas de cordons ombilicaux et physiques, mais du véritable péché que nous avons communiqué dès la naissance. Le cordon là, c'est le véritable péché qui est communiqué dès que tu nais en Adam. Parce qu'un homme a péché. Et le péché a pris le pouvoir sur tous les hommes. Et personne, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de couper ses cordes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la sanctification? La sanctification. Être saint. Frère Mani, ne dors pas. Aujourd'hui, je veille. Alléluia. Je sais que c'est difficile pour vous les jeunes. Même pour nous, bien aimés, c'est aussi difficile. Hier, je disais une chose. On a pris le livre de Hébreux, chapitre 12, que nous venons de citer tout à l'heure. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra
Notre but sur la terre, bien-aimé, quand nous venons en Jésus, c'est pour un jour voir Dieu. Alors si tu ne recherches pas la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Même si les gens te font du mal, même si les gens, bien-aimé, ne te considèrent pas, toi recherche d'abord la sanctification. Réveille-moi la sœur qui dort là-bas aussi. Je sais qu'il fait chaud. Ah, vous commencez à me regarder. La sœur qui dort, elle sait elle-même. Alléluia. Protocole, je vais demander de faire un travail. C'est vrai, il fait très chaud. Les gens ont tendance à dormir. Je ne vais pas crier aujourd'hui. Je ne vais pas être un one-man show. Non, ce n'est pas mon rôle. Je veux que tu comprennes que ta vie sur la terre n'est qu'un petit, un court instant, n'est rien par rapport à ce qui t'attend un jour à vivre. Et si tu ne te prépares pas, si tu ne vis pas la vie de sanctification, bien aimé, tu vas pleurer un jour. Tu vas te dire, mais mince, le pasteur Samuel parlait. Pourquoi je ne suis pas conformé? Pourquoi je n'ai pas essayé même de faire du bien? Pourquoi je n'ai pas essayé de vivre par rapport à la parole de Dieu? La sanctification, c'est vivre par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement être généreux, donner, oui, c'est une bonne chose. Mais c'est vivre comme la parole de Dieu nous demande de vivre. Alléluia. Amen. Certes, c'est difficile. C'est très difficile de vivre comme la parole de Dieu nous demande. Quelqu'un t'insulte, toi, il ne faut pas l'insulter. Quelqu'un te fait du mal, toi, il faut le pardonner. Bien aimé, ce n'est pas facile. Des fois, nous prêchons ici. Mais quand ça arrive, le moment de pardonner. Il se pourrait même quelqu'un qui est assis pardonne facilement que la personne qui est ici. Et à ce moment-là, nous allons faire sortir des versets. Parce que nous, on nous connaît par des versets. Ah, mais la Bible aussi me dit, hein, si deux personnes ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ça, simplement pour que tu ne pardonnes pas. Les prédicateurs sont dangereux. Laissez-moi vous dire, ils sont très dangereux. Surtout ceux qui connaissent beaucoup de versets. Mais ils vont aller fouiller des versets pour essayer de te faire croire. Or, ce n'est pas ça la vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Pardonner, eh bien, je suis le premier à pardonner. Alléluia. Il m'a fait du mal. Frère, je te pardonne. Le pardon, c'est une puissance. Le pardon, c'est l'acquis de tous ceux qui sont forts. Ceux qui ne pardonnent pas, ils sont faibles. Est-ce que vous le savez? Si une personne n'arrive pas à pardonner, c'est une personne très faible. Parce que quelqu'un qui est fort, il va comprendre que non. La personne qui m'a insulté, c'est une ignorante. Ou la personne qui m'a insulté, c'est une personne qui ne connaît pas. Moi, je suis plus fort qu'elle. Donc, du coup, je la pardonne. Est-ce que nous nous comprenons? C'est ça le pardon. Quand tu pardonnes quelqu'un, cela veut dire que tu es au-dessus de la personne. Ne pense pas que tu es nul. Non, tu n'es pas nul. Tu es au-dessus de la personne. Tu es plus grand que lui. Laissez-moi le terme grand. Permettez-le-moi. Tu es plus grand, tu es plus puissant que lui. Parce que lui pense même qu'il t'a fait du mal. Mais toi, quand tu le regardes, tu dis, tu es petit. Tu es petit. Tu m'as fait du mal, mais moi, je t'ai pardonné. Et tu verras la personne même dans la rue commence à te fouiller. Quand toi, tu le vois, tu dis, oh, sœur Jeannette, viens un peu. Et la sœur Jeannette ne veut pas venir parce qu'il est en colère. Mais toi, tu lui montres que toi, tu es au-dessus. Il faut passer au-dessus de la colère. Alléluia. Il faut passer au-dessus des problèmes. La vie de sanctification nous demande de passer même au-dessus de nos problèmes. Sinon, on n'arrivera pas. La sanctification, c'est aussi donner satisfaction à Dieu. Ne pas vouloir satisfaire nos propres désirs. Tu écris cela, la satisfaction à Dieu. Être sanctifié, c'est aussi donner la satisfaction à Dieu. Ne pas vouloir satisfaire nos propres désirs. C'est aussi le fait de vivre en accord avec le Saint-Esprit. Ça, j'aimerais bien que tu notes. La sanctification, c'est vivre en accord avec le Saint-Esprit. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire une écriture. Allons-y dans le livre de Galates chapitre 7. Pasteur, est-ce qu'on peut lire? Galates chapitre 5, à partir du verset 16.
La sanctification, c'est le fait de vivre en accord avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas en accord avec le Saint-Esprit, bien, tu ne peux pas vivre la vie de sanctification. Jamais. Mais jamais. Galates 5, 16. Galates chapitre 5, verset 16, je lis ce qui suit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Car la chair et ses désirs sont contraires à ceux. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Alléluia. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est le fait de vivre en accord avec le Saint-Esprit. Vous savez, si vous allez dans le livre de Romains chapitre 7, à partir du verset 13, 14, commencez même à partir du verset 10. Là-bas, il y a un homme qui s'appelle Paul. Il est en train de dire, le bien que je viens faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Il était en train de nous montrer quoi? Que sans le Saint-Esprit, lui ne perd rien. Alléluia. Parce que l'homme en lui-même, des fois tu ne veux pas faire du mal, mais c'est ce que tu fais. Dans tes pensées, des fois tu n'as pas envie de faire du mal. Des fois tu n'as pas envie d'insulter quelqu'un. Mais tu l'insultes. Alléluia. Des fois on n'a pas envie. Une personne est en train de t'embêter. Lâche-moi un peu, lâche-moi. Tu n'as pas envie. Mais à un certain moment, allez, lâche-moi, va là-bas, toi. Tu commences maintenant à parler, tu commences même à insulter. Tu n'avais pas envie en fait. Mais il y a quelque chose qui te pousse. Et cette chose qui te pousse, c'est la manière de vivre. Alléluia. Parce qu'ils sont contraires, mais ils sont opposés. Quelqu'un qui ne vit pas, quelqu'un qui n'est pas en accord avec le Saint-Esprit, sachez-le que, bien aimé, dans la vie, il y a toujours deux choses. Il y a l'homme et la femme. Il y a le bien et le mal. Il y a le rire et le pleur. Faites bien attention, dans la vie, il y a toujours deux choses. Il y a toujours des choses qui sont opposées. Et avec le Saint-Esprit, c'est opposé également avec ce qui n'est pas, qui conduit à l'impureté. Alléluia. J'aimerais bien que l'Église maintenant vive en accord avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, mais on ne peut pas, même si on a été sanctifié, on a été lavé. Mais bien aimé, quand on est lavé, on sort, non? Quand on sort, on va où? Des fois se promener, non? Pourquoi quand on rentre à la maison, on se lave encore? As-tu déjà posé la question? Le matin, quand tu te réveilles, en plus là, il fait chaud. Dès qu'on va rentrer à la maison, les gens, on va encore se laver. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, soyons en accord avec le Saint-Esprit. Notre vie n'est rien. La beauté, c'est zéro. L'argent, c'est zéro. Les enfants, c'est zéro. Laissez-moi vous dire ça. Je vais peut-être choquer. Oh non, mes frères, les enfants, c'est le plus beau cadeau. Oui. Mais le jour où tu ne partiras pas avec tes enfants. Alléluia. La nuit, quand tu dors, tu ne sais même pas que tu as une femme. Tu ne sais même pas que tu as une main. Tu ne sais même pas que tu as un pied. Chérie, je t'adore. Chérie, j'ai tellement la folie. Cette folie-là, c'est simplement la journée. Quand tu dors, tu ne connais même plus ton chéri. Alléluia. Amen. C'est là qu'on nous enseigne. Le Seigneur nous amène pendant la nuit de comprendre qu'un jour, peut-être tu dors comme ça, tu pars. Or, si tu ne vis même pas la vie de sanctification, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Essaye de t'arranger avec tout le monde. La vie de sanctification, c'est la manière dont tu es en train de vivre sur la terre. Parce qu'au ciel, on ne parlera pas de la sanctification.
Ça n'existe pas au ciel. Parce qu'au ciel, tu es éternel. Amen. Soit tu es aux enfers, soit tu seras au ciel. Et c'est maintenant. Cela dépend de la manière dont tu es en train de vivre ici sur la terre. Cela ne dépend pas de l'argent que tu as. Cela ne dépend pas de la famille, des enfants. Et il faut réveiller ma femme, elle dort. Alléluia. Je comprends, il fait très chaud. Mais bien, mais laissez-moi vous dire une chose. Tu veux être un bon chrétien, il faut essayer. Je dis bien, il faut rentrer dans le processus de la sanctification. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Essaye de faire du bien. Même si les gens te font du mal, essaye de faire, hein? Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais commencer à essayer de faire du bien? La sanctification, bien aimé, c'est la manifestation éternelle de Dieu dans la dimension humaine. C'est la manifestation de éternelle de Dieu dans la dimension humaine. Tu es un humain, mais quand tu vis la sanctification, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, on ne peut pas être fort si on ne vit pas la vie de sanctification. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Vous savez, des fois, on prie que le feu. Bien aimé, si tu n'es pas saint, ce feu-là que tu pries ne va, ce n'est même pas de l'eau. En fait, ce n'est même pas de l'eau. Parce que l'eau peut faire même des dégâts. Alléluia. Il y avait, on appelle le fils de Séba. Vous connaissez cette histoire-là? Est-ce que vous le connaissez? Les sept fils de Séba. Ils ont vu les gens chasser les démons. Au nom de Jésus. Et aussi ils viennent. Ils disent, nous voulons aussi chasser. Au nom de Jésus que Paul est. Il y avait un vieux démon qui était là, il regarde. Mais vous savez, vous êtes beaucoup tourmentés dans vos vies. Parce que quand vous chassez les démons là, vous ne vivez pas la sanctification. Ah mais moi j'ai prié, depuis que j'ai prié, je demande des choses n'arrivent pas. Quand tu ne vis pas la vie de sanctification, ce que tu pries là n'arrivera pas. C'est cet fils de Séba, il vivait très mal. Il n'avait pas la vie en Jésus. Donc voilà pourquoi, même quand on dit au nom de Jésus, bien aimé, si tu ne vis pas la vie, ce nom-là ne va rien faire. Alléluia. Ce nom-là ne vient comme je dis, c'est non, un simple nom. Parce que tout le monde peut dire au nom de Jésus. Un voleur peut dire au nom de Jésus. Un sorcier. D'ailleurs, c'est la première personne qui dit au nom de Jésus, c'est les sorciers. Quand ils le voient dans la journée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais la nuit, ils volent. Ils planent. Les gens sont en train de chercher des visas pour aller en Afrique, pour venir en Europe. Moi, si j'étais sorcier, j'ai donné le visa, j'ai amené. Mais je serais déjà riche. Pourquoi ils ne font pas? Les Africains sont en train de mourir dans la mer, là-bas, ils tombent sorciers. Mais je vous prends en fait, là où on demande 5 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000. Je vous amène. Alléluia. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça? Pour vous dire que c'est vanité. Vous allez voir un sorcier pauvre. Pauvre. Oh, quelqu'un qui vit la vie des sanctifications. Bien aimé, quand tu vis la vie des sanctifications, les sept fils de Séba ne vivaient pas la vie des sanctifications. Dès qu'ils ont commencé au nom de Jésus que Paul prêche, les démons ont compris, dit, ah, ces hommes-là ne vivent pas la vie des sanctifications. Maintenant, vous allez voir comment on va vous faire. Quand tu ne vis pas la vie des sanctifications, ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas à dire au nom de Jésus. Parce que s'il y a un démon qui passait quelque part là, il va te frapper. Parce qu'il sait que tu ne vis pas la vie que Dieu demande. C'est capital. Quand tu sers à l'église et que tu ne vis pas la vie de sanctification, mais tu es attaqué par des sorciers, tu es attaqué par des démons. Alléluia. Ça ne vous est jamais arrivé? L'autre fois j'avais dit, vous gagnez 3 000 euros au travail, mais jamais, vous ne faites toujours rien. Quand vous avez gagné 1 000 euros, vous dites, le jour où je vais gagner 1 500, ah, ma vie change.
Le jour où vous commencez à gagner 1500, vous commencez à chercher 2000. Mais la personne qui gagne 800 euros, elle commence à construire. Elle commence à ériger. Elle vit très bien avec le peu de moyens qu'il a. Les personnes comme ça vivent la vie de sanctification. Elle se contente de ce qu'elle a. La vie de sanctification, c'est une personne qui comprend le mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin comprend le mouvance du Saint-Esprit? Nous venons prier à l'église. Nous sommes des serviteurs. Mais si nous ne vivons pas la vie de l'Esprit, si nous vivons dans le colportage, si nous vivons dans le mensonge, si nous vivons dans les calomnies, si nous vivons dans je ne sais pas, tout ce qu'on a cité dans ce livre, de Galates chapitre 5, bien-aimé, n'attendez pas quelque chose de Dieu. Il y a des sept bénédictions que moi je dis, c'est universel. Quand le soleil se lève le matin, c'est universel pour tout le monde. Quand tu trouves du travail, tu commences à travailler. Les païens aussi peuvent trouver du travail. Alléluia. Si tu as une voiture, d'ailleurs, la plupart des gens qui ont de belles voitures, souvent, c'est des païens. Bien que les chrétiens, moi, j'ai une belle voiture. C'est une Mercedes. Une vieille. Mais elle est belle pour moi. Alléluia. Je me contente de celle-là. Je ne suis pas envié. Je ne cherche pas bien, mais d'abord, non. Comme dit Paul dans le livre des Philippiens, au chapitre 2, il dit, il ne faut pas vivre, comment il dit, ah, les mots m'échappent. Ah, Jésus, il faut que je le trouve. Allons-y dans le livre des Philippiens. Ah, mon Dieu, mon roi, je commence à non pas perdre la mémoire, mais je commence à perdre. Philippiens chapitre 8. C'est ça. Il ne faut jamais vivre par un esprit de rivalité. Or, aujourd'hui, même dans nos assemblées, nous vivons par un esprit de rivalité. Alléluia. Bien-aimé, c'est la vie de sanctification. Il ne faut jamais vivre avec un esprit de rivalité. Jamais. Si l'autre à côté de toi a une Porsche et toi tu as un Renault Twingo, réjouis-toi des Renault Twingo que tu as. Amen. Si lui va à Marseille dans une heure, toi-même dans deux heures tu arriveras. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, la sœur Salatan avec une petite voiture, elle arrive partout où elle va. Amen. Elle monte des côtes. Une fois je suis allé là où elle travaille, oh, cette voiture monte. Et je regarde la petite voiture, elle monte quand même. Donc cela veut dire, jamais, il ne faut jamais avoir l'esprit de la rivalité. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui, et il y a une autre fille qui prêche là-bas aussi. Ah, c'est la fille à l'évangéliste. Ça se voit. Aujourd'hui, c'est pas elle. C'est pas elle? Il y en a beaucoup là. Ok, gloire à Dieu. Au moins, elles, ils ne font pas la rivalité. Si elle, elle crie, l'autre aussi, elle crie. Amen, amen. Bien, mais je suis sérieux ce matin. Est-ce que quelqu'un peut changer sa vie? Est-ce que quelqu'un ce matin peut changer sa vie? La vie de sanctification. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas saint. Au contraire, tu es là en train de servir, tu es là en train de prêcher, tu es là en train de chanter, tu es là en train de au devant comme un protocole. En plus, je vois un protocole grand, physique, baraqué. Mais le Seigneur ne te voit pas. Si tu n'es pas saint, tu peux rester là pendant 20 ans. Dieu ne te voit pas. Parce que Dieu dit, comme moi je suis saint, vous aussi soyez saint. Oh, Dieu ne regarde pas les vêtements, Dieu ne regarde pas. On viendra. C'est tout un ensemble, c'est un processus, bien-aimé. La vie de sanctification, c'est une vie que l'Église, que l'enfant de Dieu que tu es, que l'enfant de Dieu que je suis, doit à tout prix rechercher. Tu dois la rechercher, cette vie-là, tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour toi?
Parce que d'habitude, quand nous nous réveillons, nous disons, Seigneur, garde-moi, protège mes enfants. Est-ce que quelqu'un s'est réveillé déjà et m'a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour toi aujourd'hui? C'est ça la vie de sanctification. Le matin, quand tu te réveilles, prie des fois comme ça. Seigneur, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je dois aller? Conduis-moi, Seigneur. Amène-moi là où toi tu veux que j'aille. Régénère mes pensées. Parce que ça commence par les pensées. Je vais prendre une écriture biblique. Éphésiens chapitre 4. Comment faire, tu marques, comment faire pour devenir saint? Allons-y dans Éphésiens chapitre 4. Commençons par le verset 17. Éphésiens chapitre 4. Comment faire pour devenir saint? Ouais. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Je lis ce qui suit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Oh! Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Comme les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. Ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi. Mais vous, il parle à qui? Continue, frère. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. À être renouvelé dans l'esprit. À être renouvelé dans l'esprit. De votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. On s'arrête pour le salat. Bébé, quand on parle de comment devenir saint, je vais prendre trois points. D'abord, à la prise de conscience. La prise de conscience. Tu marques là où tu es. La prise de conscience. Mais pour devenir saint, il faut commencer déjà à prendre une conscience. Alléluia. Mais vous, ce n'est pas comme ça que vous avez appris. Vous, quand on parle de vous, on parle à l'église. Paul était en train de parler à ce peuple-là. À Éphèse, il dit, beaucoup de personnes marchent comme ils veulent. Beaucoup de personnes font ce qu'ils veulent. Mais vous, ce n'est pas comme ça qu'on vous a appris. Église, je suis venu parler à une personne. Tu es chrétien, ce n'est pas comme ça qu'on t'a appris. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris? Regardez ce qui est écrit dans la version semeur. Mais vous, ce n'est pas ainsi qu'on vous a appris ce que signifie pour vous le Christ. Or, tout à l'heure, nous avons vu qu'il n'y a que le Christ. C'est lui qui est allé jusqu'à la croix. C'est lui qu'on a percé et que l'eau est sortie. Et que le sang est sorti pour nous purifier. Ce n'est pas ainsi qu'on nous a appris de Christ. On doit vivre comment avec le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est. Et qu'on vous a enseigné à vous qu'il est. À vous qui êtes chrétien. Ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Ce qui est conforme en quoi? Ce qui est conforme à la vérité. La vérité, c'est quoi? Est-ce que je peux poser une question? Les enfants qui vont à l'école, Bac plus 5. Je dis là, la vérité, c'est quoi? C'est quoi la vérité? Oh, personne ne veut me répondre. Les gens commencent à me baisser la tête. Je vais vous regarder, les soeurs, Bac plus 10. Ça m'attaque. Frère Adolf ne veut même pas que nos regards se croisent. Ça existe, la vérité ça existe. Alléluia. Bien aimé, je suis dans la joie quand on est ensemble comme ça. Non, le sœur ne veut même pas que je le regarde. Regardez-moi, mais la vérité c'est quoi? Oui. Il faut être franc, dire ce qui est vrai. La sœur au moins elle a répondu, dire ce qui est vrai. Bien aimé, laissez-moi vous dire, la vérité ce n'est pas simplement ce qu'on dit. Est-ce que vous le savez? Non. La vérité, ce n'est pas simplement ce qu'on dit. Mais la vérité, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait. Amen.
Alléluia. Parce que je dis maintenant à mon frère, demain je vais t'apporter de l'eau. J'ai dit la vérité, non? Mais si demain je ne lui apporte pas de l'eau, est-ce que c'est la vérité? C'est une fausse vérité. Ah, il y a aussi des fausses vérités. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? La vérité, ce n'est pas simplement ce qu'on dit. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'amadouer les personnes. Ils ont des belles paroles, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait. Quand tu dis quelque chose et que tu le fais, c'est ça la vérité. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu as dit, moi, Samuel, je resterai fidèle, je serai là même s'il pleut, il neige. Si demain je pars de cette assemblée, cela veut dire que je n'avais pas dit la vérité. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. La vérité, ce n'est pas, je ne dis pas que ce qu'on dit, ce n'est pas la vérité. Ça peut être la vérité. Mais si ce qu'on dit, on ne le fait pas, ce n'est plus la vérité. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Alors comprenons maintenant combien de fois nous n'avons pas fait la vérité. Parce que la Bible nous dit, si vous, on vous enseigne combien ce qui est conforme à la vérité de ce qui est Christ. Or, oh, quand on parle de la vérité de ce qui est Christ, c'est des personnes qui marchent, c'est des personnes qui travaillent, c'est des personnes bien-aimées qui manifestent ce que Christ veut. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Parce que quand Christ se dit « Je suis la vérité », tout ce qu'il disait, il le faisait. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez-vous, même à nos femmes, combien de fois on leur dit les... « Je prends ce mot-là, la fausse vérité. » Chérie, t'inquiète pas, aujourd'hui quand je vais finir le travail, je vais passer parce qu'on a une réunion de travail. Fausse vérité. Et comme chérie sait que c'est le travail qui apporte l'argent, chérie, il n'y a pas de souci, oh. Viens quand tu veux. Mais la personne n'est pas allée à la réunion du travail. Alléluia. Amen. Et vous savez, les femmes, pourquoi je parle de femmes? Elle va te dire quelque chose. Tu vas même graver cela dans ton cœur, tu dis, ma femme n'aime toujours la vérité. Elle te prépare bien à manger. Et tu dis, chérie, quand tu viens, tout est bon, tout est ok. Tu sais, bon, je suis allé simplement voir la maman parce qu'elle est malade. La maman qu'elle est allée voir, c'est un homme. La maman avec des biceps, avec des pectoraux. Incroyable. Mais un jour, fais le tour là, va chez la maman, tu verras qu'elle n'est pas chez la maman. Et pourtant, toi, tu as cru à ce qu'elle t'a dit. C'est pour cela, bien-aimé, quand quelqu'un aspire à travailler dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, ce que tu dis, tu dois le faire. Alléluia. C'est ça la vie de sanctification, en fait. Quand ce que tu dis, tu le fais tout le temps, bien-aimé, quand Dieu te regarde, dit, celui-là, il est fidèle. Il y avait des enfants. Leur père leur envoie au champ. L'autre, il vient et dit, papa, moi, je... Non, non, moi, je ne vais pas. Je ne vais pas aller. Il a désobéi. L'autre, il vient et dit, papa, moi, je vais y aller. T'inquiète pas, papa, je vais y aller. Mais il n'est jamais parti. Mais celui qui a dit, je ne vais pas y aller, sa conscience... Voilà pourquoi, bien aimé, la prise de conscience. Pour devenir saint, il faut d'abord prendre la conscience. Si tu n'as pas pris la conscience que tu es un menteur, tu ne vivras jamais la vie de sanctification. Si tu n'as jamais pris conscience que tu es celui qui colporte, jamais tu ne mèneras la vie de sanctification. Dis, regarde ton frère, dis-lui, prends conscience de ce que tu as à faire. Tu ne respectes pas tes parents, prends conscience. Dis-toi, mais attendez, mais je n'ai que... Vous savez, bien-aimé, laissez-moi vous dire, les enfants qui êtes là, respectez beaucoup vos parents. Alléluia. Les enfants, vous êtes là? Les enfants, respectez beaucoup. Parce que dans la vie, il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura jamais deux. Si ton père est là, ta maman est là, essaye, fais un effort de la respecter. Vous ne nous respectez pas parce qu'aujourd'hui, vous avez des bacs plus 20. Parce que le papa, au lieu de dire le papa, il dit la papa, au lieu de dire la maman, il dit les mamans. Ce n'est pas notre langue. La langue française est difficile. Alléluia. Amen. Les parents, ils se fâchent des fois pour rien. Il faut le comprendre, il est déjà âgé. Il faut des fois le ramener. Prenez un jour, tu prends ton père ou ta mère, tu le fais asseoir. Moi, un jour, ma fille m'a fait asseoir.
Sérieux, hein? Papa, assieds-toi là. Jésus. Papa, je vais te parler. Waouh! J'ai dit ça, je suis au tribunal, comment? Papa, est-ce que tu sais que là, même si je ne suis pas encore majeur, mais je suis déjà une grande fille? Je dis oui, mais tu es toujours ma fille. Tu vois la défense? Au lieu d'écouter, je dis oui, mais tu es toujours ma fille. Je commence déjà à me défendre. Je dis, papa, tu sais que des fois, quand tu parles mal. Qui parle mal? Moi, je parle mal. Au lieu d'écouter ma fille pour que je change. Alléluia. La prise de conscience. Si une personne t'aime, il va commencer à te dire des vérités. Maintenant, toi, prends conscience. Quand nous venons à l'église, parce que Jésus nous aime, il est en train de nous dire la vérité pour que nous puissions prendre conscience de changer la manière de vivre. Alléluia. Moi, si je suis menteur, je préférerais qu'il y ait encore des menteurs à mes côtés. Mais Jésus, ce n'est pas ça qu'il veut. Tu es menteur, il te prend comme tu es venu. Parce que la Bible dit, venez à Jésus comme vous étiez, comme vous êtes. Lui, il te prend pour que tu puisses changer. Mais si toi, tu ne prends pas conscience que quand tu viens à l'église, c'est pour que tu puisses vivre la vie de sanctification, tu vas faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à l'église, tu ne changes pas parce que tu ne prends pas conscience. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience la manière dont je fonctionne, ce n'est pas bon? Tu ne vois que ton intérêt, mais il ne faut jamais voir son propre intérêt. Alléluia. Je disais alléluia. La vie de sanctification, c'est ne pas voir d'abord son propre intérêt. Voir d'abord l'intérêt des autres. La vie de sanctification, ce n'est pas simplement que je mets mon mouchoir de tête, je prie 10 fois par jour. Non. La vie de sanctification, c'est la vie que tu mènes. C'est toute ta vie en fait. Que ce soit envers les chrétiens, que ce soit envers même des personnes qui ne croient pas. Alléluia. Amen. Les enfants, je répète encore, respectez vos parents. Vous savez, moi qui n'ai plus de parents, des fois je pleure tout seul à la maison. Ma mère a beaucoup galéré pour moi. Pour nous en fait. On était beaucoup, nous. On était une famille de 11 personnes. 11. Je ne sais pas comment elle a fait ses mamans. Elle est morte à 50 ans. Elle avait déjà 11 enfants. Elle a commencé à quel âge à mettre au monde? Vous imaginez? Et quand elle est morte, moi, je n'avais pas encore de moyens. Je ne travaillais pas encore. Je faisais des petits commerces, des trucs comme ça. J'amenais peut-être 10 euros, 20 euros. Elle est partie. Elle galérait. Elle faisait tout. Elle faisait tout. Des fois, c'est 19h, 20h. On n'a rien à manger. Elle va aller toquer la porte d'une voisine. Est-ce que tu peux pas me prêter un peu de semoule? Est-ce que tu me... Elle va partout pour essayer que ses enfants ne dorment pas affamés. Et elle est morte. Et quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à travailler. Je me suis adonné à boire. Les enfants arrêtaient de boire. Pour essayer un peu d'oublier les soucis, pour essayer, mais ça ne passait pas. Et surtout quand je buvais, quand j'étais sous, c'est à ce moment-là que je pleurais. Je disais, là, si ma mère était là, j'allais lui acheter une voiture. J'allais lui acheter ça. J'allais lui donner ça. Or, c'est maintenant. La vie de sanctification, c'est savoir vivre avec des personnes qui t'entourent. Alléluia. N'attends pas que le frère Samuel parte pour que tu puisses. Hey, tu pleures, tu veux. Mais moi, j'ai cotisé des aéros. Donne-le-moi en sortant ici. Amen. Amen. C'est ça. La vie de sanctification, c'est toute ta vie. Je suis venu te parler. Tu veux servir Dieu. Tu veux être bien dans la vie. Vis par rapport à la parole de Dieu. Si tu as quelque chose à donner à quelqu'un, donne. Si tu peux pardonner quelqu'un, pardonne. Si tu as, d'ailleurs, ça c'est recommandé, il faut aimer. Que Dieu bénisse mes frères Adolphe. Parce que l'autre fois, il a dit, moi, dans tout ça, je vois qu'il y a l'amour. L'église d'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'amour. Parce que si on a l'amour, quelqu'un qui a l'amour, automatiquement, il est en train de vivre la vie de sanctification. Est-ce que nous nous comprenons? Parce que quelqu'un qui a l'amour va supporter l'autre. Quelqu'un qui a l'amour va donner.
donner à l'autre. Quelqu'un qui a l'amour, bien-aimé, il sait qu'à 10h, le culte commence. Vous savez, moi, je viens à 10h ici, c'est l'amour que j'ai en Jésus. Alléluia. Amen. Je peux rester aussi chez moi. Je sais lire, je peux lire la Bible aussi chez moi. Je peux méditer aussi chez moi. Mais quand je viens ici, c'est l'amour que j'ai envers vous. Si moi je ne viens pas et que le pasteur Clément est tout seul, comment il va faire? Alléluia. Et si tous ensemble nous avons cette capacité, nous allons avancer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons vivre la vie de sanctification? Changeons la manière. Prenons notre vie tous les jours. Ce que tu fais, tout ce que tu es en train de faire, pense à la vie de sanctification. Amen, amen. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire. La prise de conscience. Bien aimé, cette prise de conscience, c'est cette capacité, bien aimé. C'est l'intérieur d'une personne. Je vais parler du processus qui nous amène au renouvellement de ce qui oriente notre pensée. Ce qui oriente ta pensée. Qu'est-ce qui oriente ta pensée? Une personne peut être là prêchée, mais vous ne savez pas ce qui oriente ses pensées. Vous savez, nous sommes là assises, mais ce qui est en train d'orienter nos pensées, personne ne le sait. Fais en sorte que la parole de Dieu commence à orienter tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça commence à l'intérieur. La vie de sanctification, ce n'est pas le fait de mettre une grande robe. Ça vient après. Ce n'est pas le fait de mettre le mouchoir de tête. Ça vient après. Ce n'est pas le fait que les gens me voient prier à haute voix. Ça vient après. La vie de sanctification, c'est d'abord ce qui oriente les pensées. Qu'est-ce qui oriente tes pensées? Tes pensées à l'intérieur, qu'est-ce qui les oriente? Tu es animé par quoi? Tu es animé tout le temps par la colère? Tu es animé tout le temps par la haine? Tu es animé tout le temps par les envies? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut changer? Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui je vais changer ma vie? Bien aimé, si tu vis la sanctification, tu n'auras même pas besoin d'aller chercher un mari. C'est le mari qui viendra te chercher. Alléluia. Non, tu n'auras pas envie, tu n'auras pas besoin d'aller chercher une femme. Tu vas voir partout où tu vas aller. Les filles elles-mêmes commencent à te faire des séquences. Ah, ça vous est jamais Adolf? Ah, maman est là. Quelqu'un qui vit pieusement, Dieu l'accorde une grâce. Dieu l'accompagne en fait. Alléluia. Si tu vis pieusement, Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner tous les jours de ta vie. Ne cherche pas simplement à devenir riche rapidement. La richesse, si ça vient ou ça ne vient pas. Comme Paul avait dit, la circoncision ou pas la circoncision, ça c'est rien. Mais quelqu'un qui vit en lui-même ou en elle-même, la personne qui a déjà une pensée renouvelée, la personne qui a la positivité. Vous savez, il y a des personnes qui viennent à l'église, mais ils ont toujours la négativité. Les personnes qui, dans leur vie, ils ne pensent pas qu'ils vont réussir. Tu ne vis pas la vie de sanctification. Alléluia. Change ta manière de vivre. Je vais m'arrêter là. On continuera. On a vu que ce qu'on appelle aujourd'hui cette conscience, la prise de conscience. Marque dans ton cahier, la prise de conscience égale la mort. Est-ce que tu peux marquer? La prise de conscience égale mourir. C'est mourir. Quelqu'un qui prend la conscience, il meurt. Il voit maintenant que non, les autres sont devant de moi, moi je suis en arrière. Il fait tout, non pas par la vaine gloire pour lui, mais il fait tout pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Même s'il n'est pas appelé, vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas appelées. Mais à qui on fait cas directement. Est-ce que vous le savez? Allez-y un jour dans une fête. Parce que vous êtes bien habillé, vous voulez vous mettre devant. Et pourtant, la place là a été réservée. Vous, parce que vous avez vu que vous êtes grand, vous êtes beau, vous mettez des vents. On viendra vous faire déloger de là. Et la honte va vous prendre. Mais vous êtes bien habillé. Restez au fond.
Quand ils vont regarder, ils disent, oh, mais on a besoin des personnes qui sont bien habillées, qui sont devant. Ils viendront vous chercher. Alléluia. Laisse qu'on vienne vous chercher. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, laisse qu'on vienne vous chercher. Cela veut dire, ne vous énervez pas vous-même. Laisse le Seigneur s'énerver pour vous. On va s'élever.